Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouveauté pour certains, pour d'autres peut-être pas, mais dans tous les cas, on est sur un lecteur d'écran, sur Android, et on ne parle plus de Talkback, on ne parle plus du Voice Assistant, mais on va parler de Shine Plus. Shine Plus, S-H-I-N-E, plus loin, plus. Un lecteur d'écran qui tourne sous Android, qui est gratuit et qui fait pas mal de choses. Il fait tellement de choses que l'on fera plusieurs vidéos à ce sujet pour éviter d'en faire une trop longue. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout n'hésitez pas à me le montrer dans la barre des likes et de partager. Et surtout, abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait. Puisque sur la chaîne, des dizaines de vidéos sur l'accessibilité en tout genre, des dizaines de démonstrations et de présentations. Alors, on rentre tout de suite dans le petit tuto de Shine Plus, le premier démarrage du lecteur d'écran sous Android Oreo 8. C'est parti. Ici, on est dans un premier temps accompagné du Voice Assistant. 28 juin 2018. Niveau de charge de la batterie, 84%, Wi-Fi, Bluetooth activé. Ici, on a ce résultat donc avec un triple tap de doigts sur l'écran, bien sûr n'importe où, et on a ce résultat. Nous, ce qu'on veut, c'est, on va aller dans paramètres. Écran application paramètres. Une fois dans paramètres, on va se diriger sur le choix de l'accessibilité. Accessibilité, vue. Accessibilité, affichage des éléments à 7 sur 24. Bien sûr, pour installer Shine, il n'est pas du tout d'origine sur votre smartphone ou sur votre tablette. Donc, comme d'habitude, il faut posséder un compte Gmail et aller sur le Play Store, télécharger l'application en question. Une fois celle-ci téléchargée, elle sera installée impérativement dans les paramètres d'accessibilité. Une fois entrée dans les paramètres d'accessibilité, vous allez tout en bas. Talkback, des services. Et on arrive sur le choix des différents services d'accessibilité. Alors, on ne rentre ni dans vue, ni dans audition. Sur la première page d'accessibilité, on va tout en bas et on va sur service. On pitch gauche-droite. Amazon Assistant. Activé. Shine Plus, désactivé. Ici, je vais vous faire écouter tout ce que j'ai téléchargé en termes d'accessibilité sur mon smartphone tournant sous Android Oreo 8. Accessibility Scanner, désactivé. Talkback, désactivé. Sélectionné pour prononcer, désactivé. Switch Access, désactivé. Braille-back, activé. Sesame, désactivé. Claria Zoom Plus. Activé. Vous recherchez autre chose ? Voilà, on vient de faire le tour de ce que j'ai dans l'accessibilité de mon smartphone. Nous, maintenant, on va activer Shine. Shine Plus, désactivé. Shine Plus, c'est ce qu'on double veut. Double appui pour activer. On l'ouvre, on rentre à l'intérieur. Shine Plus, affichage de l'élément 1 sur 1. Remontée d'un niveau tout. Shine Plus. Une fois que l'on aura activé le paramètre de Shine Plus, on ira régler les paramètres à cet endroit. On va continuer à lire ce qui se passe. Désactiver interrupteur. C'est ici qu'on active. Double appui pour activer. C'est ici qu'on activera notre lecteur d'écran Shine Plus. Même expérience. Bienvenue dans Shine Plus. Shine Plus est un service qui zoome toutes les caractères de l'écran et lit les mots avec la voix. Cette application est recommandée pour la protection visuelle et pour les personnes souffrant d'une déficience visuelle, telles que la presbytie, la dyslexie, et autres maladies oculaires. Vraiment un outil indispensable pour les personnes avec déficience visuelle. 3 points. À partir de maintenant, entrer dans un monde du portable où l'œil et la main sont confortables. Précaution, lorsque l'application est configurée pour les aveugles, toute exécution d'icône doit être exécutée par double pression, et l'écran de verrouillage et le défilement doivent se faire en déplaçant avec deux doigts. Comme vous venez d'entendre, c'est vraiment ultra efficace. Par contre, cela change énormément au niveau de la gestuelle d'un iPhone sous iOS, d'un Talkback sous Android
ou d'un Voice Assistant sous Android. Vous allez voir que cette gestuelle est très spécifique. Nous irons voir certainement dans une seconde vidéo comment gérer le lecteur d'écran Shine. Cette vidéo vous montre simplement ce que Shine est capable de faire pour vous aider. On va l'activer. Désactiver interrupteur. On l'active. Shine Plus demande l'autorisation de désactiver. Shine Plus demande l'autorisation de surveiller vos actions. Recevez des notifications lorsque vous interagissez avec une application. Récupérez le contenu de la fenêtre. Inspectez le contenu d'une fenêtre avec laquelle vous interagissez. Annulez touche. OK touche. Shine Plus. Double pression, remontez d'un niveau de Shine Plus. Alors, l'avantage avec Shine Plus, c'est que l'on peut se servir de différentes fonctions que possèdent les Galaxy. Ici, certaines fonctionnalités sont inaccessibles si on se sert de TalkBack ou si on se sert du Voice Assistant. Mais, bizarre, avec Shine Plus, on est capable de se servir de ces fonctionnalités. Alors, testez Shine Plus et dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires, vous allez voir que Shine Plus peut vous apporter une certaine dextérité sous votre smartphone ou sous votre tablette tournant sous Android. Ici, on va donc désactiver le Voice Assistant pour laisser place à Shine Plus. Donc, je désactive mon Voice Assistant en appuyant sur les deux boutons volume haut, volume bas en même temps. La fonction Voice Assistant est désactivée. Le raccourci d'accessibilité a désactivé Voice Assistant. On est enfin désactivé au niveau du Voice Assistant. Paramètres. Mais comme j'ai activé Shine Plus au préalable, celui-ci a pris le relais. On va tout de suite aller voir ce que les paramètres de Shine Plus nous proposent. Alors attention, il y en a vraiment pas mal et des choses très intéressantes. Activer, cocher. Paramètres Shine Plus. Paramètres. Paramètres Shine Plus. Liste complète 14. Dans un premier temps, on peut s'apercevoir que lorsqu'on rentre dans les paramètres sont sur fond noir avec les polices blanches. Donc un mode inversé. Ici. Paramètres Shine Plus. Paramètres de base, en tête, désactivé. Alors, la circulation sur les différentes icônes, sur les différents thèmes, items, se fait comme d'habitude avec n'importe quel lecteur d'écran, un petit pitch gauche-droite, droite-gauche pour avancer, reculer, un double tap d'un doigt pour ouvrir l'application. Et bien sûr, pour fermer, on se servira des boutons virtuels qui se trouvent tout en bas de votre smartphone ou de votre tablette. TTS, sélectionnez le type de moteur qui lit le texte par la voix. Le premier choix que l'on a dans Shine Plus est le système text-to-speech. Text-to-speech, vous pouvez choisir les différentes voix que vous avez téléchargées, les différents moteurs tels que Acapella, tels que Vocalizer, tels que Voxygen. Toutes les voix que vous possédez sont gérables avec Shine Plus. Clavier. Autorise l'utilisation d'autres claviers et de changer le clavier par défaut. Possibilité d'utiliser plusieurs claviers, c'est-à-dire vous pouvez utiliser le clavier de Samsung, le clavier de Google, et comme sous Android, on a tout un panel de claviers à télécharger, surtout n'hésitez pas à en tester, et si vous-même, vous utilisez un clavier sous Android que je ne connaîtrai pas, n'hésitez pas surtout à le mettre dans les commentaires. Accessibilité. Définir les diverses options selon le type d'handicap. Shine Plus est donc capable de gérer les différentes fonctionnalités d'accessibilité en mode non-voyant et en mode malvoyant. On va pouvoir faire du grossissement. Ici, comme vous voyez sur l'écran, on va pouvoir faire de la lecture de texte, donc s'en servir en tant que lecteur d'écran. Ici, on rentre. Accessibilité. Remontée d'un niveau. Accessibilité. Catégorie. Vue. Vue. Audition. Ici, on est rentré dans le système d'accessibilité du smartphone. Donc, on va gérer exactement tout ce que l'on gère en fonction des besoins
de l'accessibilité de la personne. L'avantage là aussi avec Chine Plus, c'est que l'on peut le jumeler avec un lecteur d'écran tel que Talkback, tel que Voice Assistant. On peut par exemple se servir des deux en même temps et gérer les deux d'une certaine façon. On va revenir un petit coup en arrière. Retour, paramètres Chine Plus, TTA, clavier, auto-accessibilité, définir les diverses options selon le type d'handicap. Type d'utilisateur, changer méthode d'application de l'équipement de l'utilisateur, voix, zoom, protection de la vision, précaution, après le changement assurez-vous de vous familiariser avec son utilisation. Comme vous pouvez entendre, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'options au niveau de la gestion de Chine. Et comme je vous disais en tout début de vidéo, la gestuelle n'a strictement rien à voir avec celle que l'on utilise de Talkback, de VoiceOver et de Voice Assistant. Définir type d'utilisateur, en tête, désactiver. Paramètres voix, modifier toutes les méthodes de sortie vocale du lecteur d'écran. Le petit bruit que vous venez d'entendre nous annonce que on vient de monter la fenêtre vers le haut. Paramètres Chine Plus. Paramètres du zoom. Changer le paramètre Chine Plus. On va rentrer dans les paramètres Chine Plus. Paramètres du zoom. Paramètres du portable. Paramètres du zoom. Changer les autres paramètres du zoom. Couleur des caractères du texte en surbrillance. Changer la couleur des mots du texte zoomé à l'écran. Couleur de fond du texte en surbrillance. Changer la couleur de fond du texte zoomé à l'écran. Alors comme vous pouvez entendre, ici on est vraiment sur un choix et des possibilités assez conséquentes. On peut vraiment faire pas mal de choses au niveau, pour les personnes malvoyantes, en termes de visualisation du texte, au niveau des différentes couleurs et au niveau du fond du texte. Agrandissement du texte en surbrillance. Changer la taille du texte zoomé. Vitesse du texte en surbrillance. Contrôler le défilement de la sortie de texte et sa vitesse initiale. Peut être contrôlé par les touches du volume à partir de la version Android 4.3. Vous allez voir donc que par rapport à ce lecteur d'écran, on a des fonctionnalités un peu similaires au Smart Vision pour ceux qui le connaissent. Parce que par le biais d'une certaine gestuelle, on fera apparaître tout en haut de l'écran une espèce de prompteur qui permettra aux personnes malvoyantes de servir de Chine Plus. Mode de transparence du texte en surbrillance. Lorsque cet item est coché, le fond du texte zoomé devient transparent, décoché. Comme vous pouvez entendre, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'options. Donc c'est vrai que, je vous disais tout à l'heure, faire une seule vidéo sur cette application est un peu compliqué vu le temps qu'on va y passer. Moi je pense que je vais vous en faire au moins 3-4 vidéos, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez entendre dans les vidéos, ce que vous aimeriez voir. Ça m'intéresse vraiment. Exécuter le mode zoom seul touché. Cocher cet item pour avoir en sortie de gros caractères en déplaçant avec un seul touché en mode zoom de caractère. Précaution, déplacer avec deux doigts pour défiler. Cocher. Paramètres du zoom de saisie de caractère. Lorsque cet item est coché, les caractères sont zoomés seulement lors de l'insertion. Décoché. Lumière bleue et couleur améliorée. Sélectionnez la lumière bleue et le filtre de sensation de couleur. Navigation temporaire en mode vocal zoom. Lorsque cet item est coché, le zoom et la voix du contenu à l'écran est temporairement émise au moment d'appuyer sur la barre de notification. Désactivez décoché. On revient un petit coup en arrière. Paramètres Chine Plus. Paramètres du toucher et contrôle. Ajuster la méthode de contrôle des mouvements, du toucher, du panneau de commande et touche dure. Comme vous entendez, on n'est pas sorti de l'auberge. Au niveau des options, il y en a vraiment énormément. Et franchement, je pense que dans les prochaines vidéos, vous allez vraiment vous régaler d'entendre toutes ces fonctionnalités en pleine action. Ergonomie fournit des options supplémentaires qui correspondent au type d'utilisateur. Paramètres du toucher et contrôle. Paramètres du toucher et contrôle. Paramètres du toucher et contrôle. Geste mode sans erreur. Cocher cet item pour empêcher tout toucher non intentionnel. Cocher. Panneau de commande avec méthode d'un seul toucher. Lorsque cet item est coché,
L'item du panneau de commande fonctionne en enlevant les mains de l'écran. Décoché. Alors, le panneau de contrôle, ce panneau va nous servir à pas mal de choses. J'ai fait différents tests et je peux vous dire que ça nous donne des sacrées possibilités. Gesture de finition, beta, if checked, sweeping left hand up is home, and left hand on is cancel, décoché. Paramètres touche d'accueil avec triple pression. Cochez cette case pour changer le type d'utilisateur en appuyant sur la touche accueil. 3 fois consécutive, supporté pour les versions au-dessus d'Android 4.3, cochez. Paramètres de longue pression. Lorsque cet item est coché, la longue pression fonctionnera lorsque vous touchez l'écran pendant une longue période. Désactivez décoché. Paramètres du toucher et contrôle. Méthode du toucher pour le menu et touche pour annuler. Lorsque cet item est coché, le menu et touche pour annuler fonctionne comme une double pression, supporté pour les versions au-dessus d'Android 4.3, décoché. Alors j'espère qu'avec tout ce que vous entendez, ça vous étonne qu'un tel lecteur d'écran existe et en plus gratuit sous Android. Paramètres du clavier du portable. Lorsque cet item est coché, le pointeur d'accessibilité est contrôlé comme le clavier du portable, supporté par Shin QWERTY ou les versions au-dessus d'Android 4.3, coché. On peut vraiment remercier ce développeur, on peut remercier vraiment ces personnes qui ont développé ce lecteur d'écran qui est vraiment, pour ma part, énorme et plein d'astuces et plein d'options. Touche de menu à multitouche. Lorsque cet item est coché, la touche de menu change au multitouche, supportée pour les versions au-dessus d'Android 4.3, décoché. Ignorer les objets non importants. Lorsque cet item est coché, les objets sans importance ne sont pas ciblés. Utile pour la navigation sur le web. Coché. Touche recherche rapide. Lorsque cet item est coché, le mouvement d'objet est contrôlé avec la touche menu multi annulé. Supporté pour les versions au-dessus d'Android 4.3. Désactivé décoché. Paramètres Shin Plus. Les paramètres Shin Plus. Paramètres du zoom. Paramètres changer du zoom. Paramètres du portable. Off paramètres de la voix de l'information d'un appel entrant. Lorsque cet item est coché, voix est émise avec l'information de l'appelant quand le portable sonne. Utilisez le balayage vers le bas en temps normal. Coché. Paramètres de faire un appel avec touche clavier. Lorsque cet item est coché, le clavier fonctionne tel qu'un clavier avec un seul toucher. Certains portables sont pris en charge avec Shin QWERTY, décoché. Paramètres de la voix de l'information d'un appel entrant. Paramètres de la voix pendant un appel. Lorsque cet item est coché, le son TTS est émis lorsque la liste est sélectionnée pendant un appel, coché. Paramètres de faire un appel avec touche clavier. Lorsque cet item est coché, le clavier fonctionne tel qu'un clavier avec un seul toucher. Certains portables sont pris en charge avec Shin QWERTY, coché. Paramètres de l'écoute du portable avec touche clavier. Lorsque cet item est coché, la valeur entrée et la voix sont émises quand le clavier du portable est touché, coché. Je pense que vous qui êtes derrière votre écran, qui est en train d'écouter toutes ces fonctionnalités, cela doit vraiment vous étonner. Je pense que ça vaut quand même le coup de tester ce lecteur d'écran qui est vraiment pas mal du tout. Sensibilité de mouvement lié à un appel. Lorsque cet item est coché, les mouvements pour faire, recevoir et raccrocher des appels opèrent avec plus de sensibilité. Décoché. On va cocher. Paramètres de l'utilisation exclusif au clavier du portable. Lorsque cet item est coché, le clavier fonctionne tel qu'un clavier exclusif. Désactivé. Décoché. On a fait ici le tour. On vient en arrière. Retour, image, appuyez ici paramètres du toucher et contrôle. On rentre dans ce nouvel item. Geste mode sans erreur. Cochez cet item pour empêcher tout toucher non intentionnel. Cochez. Panneau de commande avec méthode d'un seul toucher. Lorsque cet item est coché, l'item du panneau de commande fonctionne en enlevant les mains de l'écran. Décoché. Gesture de finition, bêta, if checked, sweeping left ergonomie. Paramètres des raccourcis de mouvement de l'écran initial. Lorsque cet item est coché, le mouvement vers le haut ou vers le bas exécute l'application désignée aussitôt que l'écran est allumé. Décoché.
Spécifiez le mouvement vers le haut de l'écran initial. Sélectionnez l'application désirée à partir de la liste d'applications. On peut là choisir, via une certaine gestuelle, ce que l'on désire ouvrir ou pas. Spécifiez le mouvement vers le bas de l'écran initial. Pareil pour le bas. L'application désirée à partir de la liste d'applications. Paramètre de la touche de raccourci d'accueil. Lorsque cet item est coché, en appuyant sur la touche d'accueil avec l'écran éteint, l'application désignée s'exécutera. Supporté pour les versions au-dessus d'Android 4.3, doit appuyer sur la touche d'accueil deux fois sur certains portables. Décocher. Spécifiez recherche de fichiers. Sélectionnez l'application désirée à partir de la liste d'applications. Ergonomie. Démarrer l'application. Le paramètre de verrouillage d'écran. Lorsque cet item est coché, le verrouillage d'écran n'est pas exécuté. Ici, on a fait le tour donc de ce panneau de contrôle. Retour, image, paramètre Chine plus. Confidentialité, fournit des fonctionnalités liées à la vie privée. Confidentialité, mode auto-murmure. Lorsque cet item est coché, le son est émis par l'entremise du petit haut-parleur quand le portable est à l'oreille. Lorsque cet item n'est pas coché, l'appel automatique est exécuté avec le mouvement vers le bas et la gauche. Certains portables ne sont possiblement pas supportés. Décocher. Tout ci est contrôle de la recherche murmure. Lorsque cet item est coché, un objet peut être cherché avec la touche de volume en mode murmure, supporté pour les versions au-dessus d'Android 4.3. Décocher. Tout ci blocage du toucher en mode murmure. Lorsque cet item est coché, le toucher sur l'écran est bloqué en mode murmure. Mouvement est possible. Décocher. Tout ci sensibilité de AirTalk. Lorsque cet item est coché, améliore les intermissions de la voix pendant le AirTalk. Précaution, ne pas cocher lors d'un usage normal. Décocher. Braille haptique. Lorsque cet item est coché, vibration du type de braille est inscrit sur le bas de l'écran après avoir glissé vers le bas et le haut. Désactiver décocher. Vous pouvez vous apercevoir que c'est énorme en termes d'accessibilité. Retour, image, paramètre Chine plus. Voilà donc, ici, je vous ai fait une petite vidéo du tour du propriétaire de Chine plus. Ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de vous donner au niveau de l'ergonomie de votre smartphone ou de votre tablette. Et comme vous avez pu vous apercevoir, c'est assez conséquent. Je vais vous faire d'autres vidéos sur Chine plus. Je vais vous montrer au fur et à mesure les capacités de Chine plus. J'espère que dans un premier temps, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore déjà fait. Et pensez bien à liker. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt sur la prochaine vidéo de Chine plus et ses fonctionnalités qui sont énormes. Merci à vous et à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous.